Rituel d'accueil réservé au président de la République et à son épouse n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être à la diapason mondiale et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature effectuée par la délégation congolaise sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du Numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui va appeler plusieurs contrats, j'allais dire particulier. Un deal d'entente dont la matérialisation se fera par paliers, secteur après secteur. Satisfaction pour le président de la République qui a voulu personnellement piloter ces instants historiques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, telle que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucratif, telles que la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement des futurs talents du pays. La ville de Shenzhen, jadis un modeste cité vivant essentiellement de la pêche grâce à son port, est aujourd'hui transformée en une mégalopole gigantesque des gratte-ciels et d'énormes boulevards qui s'offrent à perte de vue. Cela grâce à un nombre exponentiel d'entreprises qui y ont élu domicile. Parmi elles, on compte Huawei, dont le siège y est implanté depuis sa création en 1987. Une autre ville visitée par le chef de l'État en Chine, il s'agit de Shanghai, première ville économique chinoise qui veut faire valoir son rôle unique dans les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Chine. Le secrétaire général du Parti communiste de Shanghai qui a reçu le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo au Grand Hall le lui a confié à Patrick Michel Mkouy. Shanghai, deuxième grande étape de la mission congolaise en Chine. En provenance de Beijing, où il a reçu les honneurs dus à son rang, le couple présidentiel congolais est arrivé dans l'après-midi de samedi, dans la ville économique chinoise. Après les civilités au bas de la passerelle, le cortège présidentiel a pris la direction du Grand Hall, siège des institutions de la ville. Le président de la République
prend même le temps de jeter un regard admiratif à la vue architecturale de la ville qui inspire. Félix-Antoine Tshisekedi sera ensuite reçu par le secrétaire du Parti communiste de Shanghai, Chen Jining. L'entretien va durer près d'une heure. Dans ses premiers mots, le secrétaire général du Parti communiste a livré l'intention première de Shanghai, poumon économique chinois, de faire valoir son rôle unique dans les relations bilatérales relevées entre la République démocratique du Congo et la Chine. Des relations vieilles de plus de 5 décennies et qui connaissent une nouvelle touche depuis quelques jours grâce à la volonté affichée de 2 chefs d'État, Xi Jinping et Félix-Antoine Tshisekedi. Chen Jining a également rassuré de la volonté de la Chine d'approfondir l'amitié traditionnelle, non seulement avec la RDC, mais aussi avec d'autres pays africains, grâce à une nouvelle philosophie basée sur la sincérité, la franchise et les relations substantielles. Des intentions partagées également par le président Tshisekedi. Cette discussion ouvre la brèche aux investisseurs de 2 pays qui ont désormais le soutien politique nécessaire pour faire des affaires. Avant de quitter Shanghai, le président de la République a eu un échange spontané avec les étudiants congolais de la ville venus à sa rencontre. Ce qui devait être une simple salutation s'est très vite transformé en entretien sur fond de leur rapport à la nouvelle ligne de relations entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a exhorté ces jeunes à mettre plus de sérieux dans la formation pour mieux jouer le rôle de vecteur de cette nouvelle ligne de coopération. Fini l'époque de relations minérées contre infrastructures, il faut assurer le transfert de compétences aux locaux, a martelé le président de la République qui a rassuré ses étudiants de la mise en place d'un cadre des discussions sur cet aspect. Après Shanghai, le chef de l'État s'est rendu à Shenzhen. Félix-Antoine Tshisekedi veut avoir une vue détaillée de l'espace chinois pour lequel il s'est engagé sous un meilleur angle avec son homologue Xi Jinping. Revenons à Kinshasa pour parler du processus électoral en République démocratique du Congo. Le Parlement européen suit de près la situation sécuritaire en RDC, surtout les questions liées aux droits de l'homme. Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, a fait l'état des lieux du processus électoral en cours. C'est un condensé de Tétis Sambadanaï. Invité au Parlement européen siégeant à Bruxelles pour un échange de vues sur la situation des élections générales en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qu'accompagnait Christian Donkala Nkunku, ambassadeur de la RDC en Belgique et auprès de l'Union européenne, a fait un état des lieux du processus électoral en cours avec un aperçu sur les étapes traversées par la CENI et celles à venir. Après beaucoup de difficultés logistiques, la CENI a pu faire aussi un autre exploit. Nous avons enrôlé les Congolais en 4 mois. Alors nous avons mis un système très rigoureux, et on appelle ça méga match, pour déceler les doublons, déceler les mineurs, déceler même là où on a pris des photos, L'audit a été réalisé. Avec cette étape, nous avons publié les statistiques sur l'enrôlement des électeurs et nous avons soumis au gouvernement l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau du Parlement national, Assemblée provinciale et au niveau local. L'étape prochaine, c'est la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Nous allons faire cela le 25 juin. Vous comprenez que les élections, ceux qui parlaient de ce que nous appelons au Congo le glissement, donc le report, peuvent se rendre compte que nous avançons en dépit des difficultés. Bien entendu, à l'Est, à Rutshuru, Masisi, nous n'avons pas pu enrôler, mais ce que nous avons fait, nous avons réservé des sièges à ces entités-là pour qu'ils ne soient pas laissés à côté. Nous, à la CENI, nous sommes déjà dans les démarches par rapport au scrutin. D'entrée de jeu, le numéro 1 de la centrale électorale a situé les contextes de la mise en place du bureau qu'il dirige, nommé après 28 mois de retard. La commission électorale a été mise en place avec 28 mois de retard, mais malgré cela, la commission tient à organiser des élections de bonne qualité, et cela dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire avant la fin de 2023. La députée européenne Pierrette Erzherberg-Fofana, vice-présidente de la Commission développement représentant l'Allemagne au sein du Parlement européen, a conduit le débat. La partie interactive a jeté la lumière sur les préoccupations que les députés européens ont soulevées. Pour sa part, Pierrette Fofana a réaffirmé le soutien de l'Union européenne en soulignant que le partenariat avec la RDC n'a cessé de se renforcer ces dernières années.
signalant que le Parlement européen suit de près l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de la sécurité, des droits de l'homme, du développement et de l'aide humanitaire. Quittons la Belgique où le président de la CENI, Denis Kadima, a présenté le succès du processus électoral au Parlement européen pour revenir à Kinshasa. Ici, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a présenté les liens de coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Reportage. Je comptais sur la coopération belge, sur des relations d'amitié entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Nous avons des liens historiques. Et sur base de ces liens historiques, les deux pays ont développé une politique de coopération. Vous avez suivi, quand le Congo a commencé à être agressé, le premier pays au monde qui a pris courageusement la décision de condamner le Rwanda, c'est la Belgique. Donc, je dis, c'est important. Nous sommes liés, coopérer avec la Belgique parce que nous avons intérêt. Les liens historiques, il y a aussi des liens récents, pourquoi je ne peux pas les dire. Beaucoup de Congolais qui sont mariés aux Belges. Donc la délégation qui est là, comme l'a dit madame, la présidente de la délégation, une délégation parlementaire. Ce sont des parlementaires que nous avons rencontrés en Belgique quand nous sommes allés les premiers jours. Nous sommes entretenus toujours sur l'agression rwandaise, sur les élections et sur la fameuse proposition pour nous qu'on appelle malheureusement loi Tchiani. Nous nous sommes entretenus de... Nous avons parlé également de la MONUSCO. Les collègues ont posé des questions sur ça et nous avons répondu. Donc, nous avons eu un entretien fructueux que nous allons continuer à coopérer avec la Belgique et ses institutions, notamment pour nous parlementaires, avec le Parlement, pour consolider l'accord que nous avons signé entre le Parlement belge et le Parlement congolais. Le Premier ministre Jean-Michel Samalkoundé Kingé, au Nord Kivu, le chef du gouvernement est allé assister les populations de Masisi et Rutshuru. Il a donné un don du gouvernement constitué des médicaments et des matelas. Plus de détails dans ce reportage de Patty Tonwango. Mission accomplie pour le Premier ministre dans le Nord et Sud Kivu. Après la visite des réconforts moraux aux sinistrés des inondations de Calais sur le site de Nyamukubi, village du territoire de Calais dans le Sud Kivu, ce dimanche 28 mai, Jean-Michel Samalukonde Kingi l'a consacré aux déplacés des guerres de Masisi Rutshuru et aux sinistrés de Niragongo, hébergés au site de Bouchagara, aménagé par le gouvernement. Avant de s'y rendre, le chef de l'exécutif national a vite fait de visiter les convois humanitaires du gouvernement, composés de lots importants, des médicaments, des matelas, pagnes, sacs de riz, semoules, huile et beaucoup d'autres choses entreposées au gouvernorat du Nord Kivu, sous les explications du vice-ministre de la Santé, Dr. Serge Olène. Au site de Bouchagara, l'accueil était dans une ambiance bon enfant, face à 3000 ménages à l'entente de la fin des hostilités dans le théâtre des opérations afin de regagner leur milieu naturel des vies. Dans ce mot de compassion, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre s'est montré plutôt sensible aux doléances de ses compatriotes qui aspirent à une paix durable pour assurer leur destin de développement socio-économique dans leur communauté. Une lettre, message. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous rapporte le message de celui qui m'a envoyé ici. C'est un message de paix, de réconfort, de compassion que le garant de la nation m'a demandé de vous transmettre. Le chef de l'État veut que la paix règne ici, que nous soyons tous unis derrière nos forces armées, afin que la paix revienne dans cette partie de la République. La police est tout. La faille est que ma moyenne lutte, la va les beauté, à la peine d'accoutumer qu'un assis. Je te bats en main à Pacouette, au Congo. La remise symbolique des quelques produits déplacés s'est du coup transformé en un moment de conviviabilité, de joie et de gaieté retrouvée.
Le chef de l'exécutif national s'est approché de ses interlocuteurs, leur serrant la main l'un après l'autre dans la communion d'esprit et d'idées. Empreinte d'une journée de Pentecôte, de bénédictions et de succès partagés. C'était quelques heures avant de prendre son avion pour Kinshasa. Heureux comme Ulysse qui a fait un beau voyage. Restons toujours dans le Nord Kivu pour parler cette fois-ci de l'arrivée du chef du gouvernement Jean-Michel Samalkunde Kenge à Goma. Et c'est là en partance pour Kalehe, déclarée zone sinistre. Cette mission humanitaire mixte gouvernement-parlement a été initiée par le président de la République pour apporter des solutions sociales et sanitaires à la population de Kalehe. Un samedi pas comme les autres pour le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, soucieux de réconforter les victimes des inondations causées par la pluie qui s'est abattue sur les territoires de Kalehe, dans le sud Kivu, emportant tout sur son passage et causant la mort de 500 personnes. Atteindre les villages Bouchouchou et Nyamukubi, site des sinistrés, un véritable parcours de combattants pour les chefs du gouvernement. Jean-Michel Samalukonde Kenge a survolé pendant une quinzaine de minutes en hélicoptère le lac Kivu, a parcouru la route en terre battue en très mauvais état pour enfin emprunter les bateaux pour une traversée de plus ou moins 50 minutes du lac Kivu afin de s'enquérir des réalités d'hébergement, mais surtout des conditions de vie de ces Congolais et ces Congolais victimes de cette calamité naturelle du 4 mai dernier. À Bouchouchou, le Premier ministre a constaté avec désolation les ruines laissées par les pluies diluviennes. Plusieurs maisons emportées et détruites. C'était avant de lancer les travaux de construction de la route nationale numéro 2 reliée à Goma à Bukavu. De nouveau, Jean-Michel Samalukonde Kenge va emprunter les bateaux pour atteindre cette fois le village Nyamukubi qui abrite les sites des sinistrés. C'était à la grande satisfaction de la population qui a vu pour la première fois sur ces terres, un Premier ministre. Le chef de l'exécutif national était porteur d'un message de compassion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de soutien moral et matériel. Un lot important de vivre et non vivre a été remis par Jean-Michel Samalukonde Kenge aux responsables de ces sites pour soulager tant soit peu la population avant de la délocaliser vers d'autres endroits beaucoup plus confortables. Le père de la nation m'a dépêché ici pour voir nos frères et sœurs et vous transmettre ses compassions. Si une partie de la République souffre, c'est toute la République qui souffre. C'est pourquoi je suis venu faire le deuil ensemble avec vous. Discours terminé, cap vers la visite proprement dite. Enfin, le chef de l'exécutif national a tenu une réunion de sécurité élargie aux députés et membres du gouvernement faisant partie de la délégation, parmi lesquels les ministres d'État au budget, les ministres de l'Industrie, les ministres de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, les vice-ministres de la Défense, de la Santé et de l'Intérieur. C'est tard dans la soirée que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a regagné la ville de Goma dans le Nord Kivu par bateau. Pénurie du maïs en République démocratique du Congo, le ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabango, peaufine des stratégies pour encourager la production locale à travers le ramassage. Mais dans l'entretemps, des mesures additives viennent d'être ajoutées à l'accord du 6 mai dernier en vue de rendre effective la reprise de la fluidité dans l'importation de la farine et des grains de maïs zambiens. C'est ce qui ressort de la mission officielle que vient d'effectuer le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, à Lusaka. Reportage. Dans les
cadre du suivi de la mise en œuvre des mesures du gouvernement central pour mettre fin à la crise de farine de maïs dans les Grands Katanga et les Grands Kasaï, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, vient de séjourner pour une seconde fois à Lusaka en Zambie afin d'évaluer avec les autorités zambiennes les mesures additives pouvant faciliter définitivement l'importation de la farine et des grains de maïs. Réuni à Lusaka le vendredi 26 mai dans une longue réunion, le gouvernement congolais et le gouvernement zambien ont conclu leurs échanges par la signature d'un communiqué conjoint dont la primeur est réservée au chef de l'État et au premier ministre. Notez que la partie zambienne était composée du ministre de l'Agriculture, celui de l'Économie, accompagné de leurs secrétaires généraux ainsi que des experts du gouvernement. Du côté congolais, les vice-premiers ministres, ministre de l'Économie nationale Vital Kamerhe, étaient entourés des experts des différents ministères concernés, notamment les ministères du Commerce extérieur, ceux de l'Agriculture et de l'Industrie, ainsi que ceux du ministère de l'Économie et un conseiller principal du premier ministre. À l'issue de ces courts séjours zambiens, le patron de l'économie nationale congolaise a atterri le matin du samedi 27 mai à Lubumbashi, capitale de la province du Haut-Katanga. Nous avons formé à l'ECOFIN avec l'ensemble des ministres sectoriels qui m'accompagnaient dans cette mission des mesures au niveau du gouvernement qui ont été adoptées à l'unanimité parce que le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est soucié de voir le peuple du Katanga, le peuple du Grand Kasaï, puisse être souverain dans cette arrêt de base. La question maintenant, comment mettre ces mesures en pratique? Il fallait que je retourne de nouveau à la Zambie pour des mesures importantes qui avaient été prises et qui ralentissaient l'entrée de la farine de maïs et des graines de maïs ici. Il s'agissait de droits de transit et d'arrêt d'exportation vers les Grands Katanga, vers la République démocratique du Congo. La troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine va se tenir du 29 juin au 4 juillet à Shanghai, en Chine. Une forte délégation congolaise y est attendue. Samuel Bachungi est sous-directeur de promotion des exportations à l'ANAPEX, parle des préparatifs et enjeux de ce grand rendez-vous. Reportage. L'économique et commerciale sino-africaine aura lieu du 29 juin au 2 juillet de cette année. La RDC y est conviée comme pays invité d'honneur. Ce travail d'accompagnement que fait l'ANAPEX et l'OCC en ce qui concerne la labellisation, l'empaquetage, l'étiquetage des produits congolais qui seront exposés à Yunnan en Chine. Il faut noter que, outre le produit minier, tel que le cobalt, le coltan, le lithium et l'or, un accent particulier sera mis sur les produits agricoles, notamment la diversité ou les variétés diverses des produits comme le café, le cacao, les tisanes, les piments, mais aussi des produits artisanaux tels que le vin. Il faut clairement dire que nos exportateurs, nos exposants, nos producteurs seront les vedettes principales de cette manifestation commerciale et économique. L'ANAPEX, c'est l'Agence nationale de promotion des exportations, c'est en réalité le dispositif institutionnel rationalisé d'appui aux activités d'exportation en République démocratique du Congo. C'est cette structure qui a pour mission principale de promouvoir les exportations congolaises de produits d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale, et d'assurer la mission d'expansion commerciale de la République démocratique du Congo à travers l'intensification des échanges avec les économies tierces. Après les agents immobiliers et les négociants en pierre et métaux précieux, c'est le tour des avocats et experts comptables d'être sensibilisés sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est le secrétaire exécutif de la CNAREF qui a exhorté les avocats et experts comptables à lutter contre le blanchiment de capitaux. Guy Matondo.
Comment les experts comptables et les avocats peuvent-ils combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans leur secteur d'activité? C'est à cette principale interrogation qu'ils ont tenté de réfléchir ensemble avec la CNRF, les formateurs canadiens et la coopération technique allemande. La sensibilisation a été des plus enrichissantes. Les avocats sont encore très importants dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. C'est pour cela que la CNRF à associer les avocats et les experts comptables pour nous sensibiliser sur l'importance que jouent les avocats dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Parce que cette loi étant tellement importante, je pense que la sensibilisation doit être beaucoup plus grande. Le secrétaire exécutif Adler Kissul a exhorté ses avocats et ses experts comptables à s'investir pour éradiquer ce fléau. Votre présence est une occasion pour voir ensemble non seulement comment vos différentes professions sont exposées au risque de blanchiment des capitaux, mais aussi et surtout comment l'éviter ou du moins l'atténuer. Depuis octobre 2022, les GAFI a placé notre pays sur la liste de pays sous surveillance renforcée, autrement dit sur la liste grise, et un plan d'action à réaliser entre 2023 et 2025. Nous a été transmis. Et parmi les actions, il y a notamment celle-ci, la sensibilisation de la société que vous êtes. Cette sensibilisation intervient quelques mois après la promulgation par le chef de l'État de la loi anti-blanchiment après son vote au Parlement. La place Sainte-Thérèse Angeli est servie de cadre pour la campagne de vaccination contre la rougeole. Cible de cette sensibilisation, les enfants de 6 à 59 mois. Cette campagne est organisée par le ministère de la Santé à travers le programme élargi à la vaccination. C'est avec l'appui financier de l'UNICEF et l'OMS. C'est un reportage de Eugénie Dalachabani. Tous les enfants de 6 à 59 mois doivent se faire vacciner contre la rougeole, quel que soit leur statut vaccinal. C'est un message clé de la campagne de vaccination contre la rougeole organisée par le ministère de la Santé à travers le programme élargi de vaccination du 27 mai au 1er juin avec l'appui financier de l'UNICEF et de l'OMS. Les représentants du ministre de la Santé a lancé cette campagne à la place Sainte-Thérèse dans la commune urbano-rurale d'Ndjili. Il n'a pas manqué de souligner les efforts déployés par le gouvernement pour éradiquer cette maladie très meurtrière, pourtant évitable par la vaccination. Nous voulons prévenir ce taux de létalité qui est à peu près 1%, 1,5% des enfants qui sont affectés par la rougeole. Donc il est important que les parents puissent amener leurs enfants à se faire vacciner, prévenir ces cas de morts ou de décès qui sont tout à fait évitables. Au nom des partenaires sanitaires réunis en interagence, le représentant adjoint de l'OMS a rappelé que cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de riposte aux flambées des rougeoles 2022-2023. Elle concrétise aussi les efforts de l'objectif d'élimination de la rougeole dans le cadre de l'immunisation contre la rougeole à l'horizon 2030. Il a à cette occasion invité les parents à faire vacciner leurs enfants au leader communautaire de sensibiliser la population et à réitérer l'engagement de l'interagence de soutenir le gouvernement dans les efforts de lutte contre la rougeole et d'autres maladies évitables par la vaccination. Et puis, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a remis des kits d'hygiène en période des menstrues aux élèves de Mwenga. Nous sommes là à Mbanzangungu, une manière pour lui de sensibiliser les filles à l'hygiène corporelle. C'est un reportage de Constance Mananga. En période des menstrues, mon corps, mes droits et mon avenir. Voilà un message contenu dans les livrets de l'adolescente produit par le Programme national de la santé de l'adolescent PENSA dans le cadre de l'initiative Kitumaini afin de donner un minimum d'informations à l'adolescente et savoir exactement comment s'y prendre, quels produits
utiliser, que faire, ne pas faire pendant la période des menstrues. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, s'assure de la connaissance des élèves sur l'hygiène de manière générale et celle de leur partie intime en particulier. Les élèves de l'Institut Mwenza Velela de Mbanzangou se sont dites satisfaites des kits de l'hygiène leur remis, à savoir délivrer sur l'hygiène en période de menstrues, l'hygiène intime et des sous-vêtements, un paquet de bandes hygiéniques ainsi qu'une lingette, le tout dans un sac. La célébration de la journée de 28 mai de l'hygiène en période de menstrues est une occasion d'interpeller les décideurs afin d'améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire dans le but d'augmenter la fréquentation scolaire des filles, leur participation et leur maintien à l'école, même pendant les règles. Et pour terminer, sachez que l'ONG Action contre l'impunité pour les droits humains vient de boucler une série de conférences, débats et d'échanges sur les garanties du droit d'accès à un procès équitable au cours du cycle électoral de 2023. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kananga. Avec ces échanges avec le magistrat, la société civile et les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, l'ONG Action contre l'impunité pour les droits humains, qui s'inspire des entorses relevées dans son rapport intitulé « Chapelet d'entorses au droit à un procès équitable au cours du combat pour l'alternance au pouvoir en RDC », étude menée sur les procès des défenseurs des droits humains et membres des mouvements citoyens entre 2016 et 2019, veut voir ses acteurs œuvrer pour le respect du droit au procès équitable au cours du cycle électoral de 2023, explique Maître Mireille Mbouyi, l'une de ses membres. Les acteurs judiciaires peuvent être indépendants. Les garanties reconnues à un procès équitable embrassent carrément l'indépendance et la justice. Et les partis politiques et la société civile nous demandons de faire appliquer, au fait, de faire connaître leurs droits. Pour le premier président de la Cour d'appel du Cassé central, Wamba Kabelo, ces échanges tombent à point nommé. Le magistrat doit se conformer à la loi dans la manière de dire le droit dans les contentieux électoraux qui sont en train de venir. Initiative saluée également par les secrétaires de l'Union sacrée de la Nation en province. Une initiative qui interpelle nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui par rapport à la façon dont nous devons nous démarquer avec ceux qui ont géré avant nous. Je crois qu'il y a lieu d'encourager cette initiative. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin à la réalisation. Patrick Bapulaya Moulamba, Jonathan Moubalama. L'équipe technique était assurée par Grace Kingambo, Gabi Konga, Alain Soudi, José Dimonekene. Un journal coordonné par Bobette Eyenga Lissamba. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. À 13h30, Gaëtan Magalano. La tranche communiquée, c'est tout à l'heure dans une présentation de Mimi Dibambou et Jolie Mopembe. La tranche Le Panier continue avec le duo Yves Sikila et Bénédicte Mabunda. Au revoir et à la prochaine. Du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère du Genre, Famille et Enfants organise du 30 mai au 2 juin 2023 à Kinshasa la rencontre de ministres de la SADC en charge du genre et de la condition féminine. 4 jours de discussion autour du thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation de minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ».
Cet événement important rassemblera deux experts, deux hauts fonctionnaires de la SADC pour échanger des idées, partager des expériences et trouver des solutions innovantes pour promouvoir l'égalité de sexe et renforcer le rôle des femmes dans le développement économique de la région. En favorisant l'agro-transformation, la valorisation de minéraux et le développement de chaînes de valeur régionales, cette réunion vise à stimuler une croissance économique inclusive et durable qui profitera à tous, hommes et femmes. Bienvenue à Kinshasa. Welcome to Kinshasa, the capital city of DRC. Bienvenue à Kinshasa, la capitale congolaise. La direction technique TV et M. Léon Vouta Izey, directeur chef de département technique et logistique de la RTNC, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, aux membres de famille, aux anciens de l'ISTA, la mort de leur collègue de service et épouse, Madame l'ingénieur technicien Ombalawechi Titi, chef de section au service réseau informatique de la RTNC, décédé le mercredi 17 mai 2023 de suite d'une maladie aux cliniques universitaires. Et le deuil s'observe en la résidence familiale située au numéro 7 de l'avenue Mbilo, quartier Sebo, château d'eau de la régie des eaux communes de Mongafula, référence entrée Kimwenza, église Sainte-Rita. Et le programme prévoit le lundi 29 mai, il y avait un mortuaire en la salle polyvalente de la paroisse Sainte-Rita à partir des 18h. Demain mardi 30 mai 2023, levée du corps de la morgue du Saint-Container à partir de 8h. Recueillement, témoignage, derniers hommages et levée du corps pour la mise en terre à Kimberley Memorial Park. 16h, retour pour un bain de consolation en la salle polyvalente de la paroisse Sainte-Rita. Le centre missionnaire de Kinshasa, Pascal, a la profonde douleur d'informer l'ensemble des croyants du message biblique du temps de la fin, les membres de famille, amis et connaissances du décès de leur frère, Emmanuel Chilaï, responsable du tabernacle chrétien, la parole parlée des Kolwezi, TCPP en sigle. Il est décédé à Kinshasa le mercredi 24 mai 2023 des suites d'une maladie. Le programme se présente comme suit. Ce dimanche 28 mai, à partir de 19h, a eu lieu la veillée mortuaire au centre missionnaire de Kinshasa ni Pascal, situé sur le boulevard Lumumba numéro 10, arrêt BKTF, référence complexe scolaire Bravo. C'est mardi 30 mai, levée du corps de la morgue de l'hôpital sino-congolais d'Njili pour son acheminement à Kolwezi via Lubumbashi. La famille Bekolo et Lola, Madame Marie Mafouakadi, ont la profonde douleur d'annoncer la mort de leur fils, oncle, papa, grand frère et petit frère, le colonel Tobunelo Bekolo Alain Bertin. Il a rendu l'âme le vendredi 19 mai 2023 à l'hôpital de référence du camp Lufungula de suite d'une maladie. En attendant le programme, le deuil a lieu sur l'avenue Gombe, numéro 1595, au quartier Kingaboa TP, commune de Limété. Référence rond-point TP à côté de l'école maternelle et primaire, couvent de sœurs religieuses sur l'avenue Gombe, juste derrière le couvent de sœurs, et le programme vous sera communiqué ultérieurement. Madame Miaka Mayo Mimi, agent la RTNC, la grande famille Tangwake et Akalonda, les familles Mayo et Moni, IP, ont la profonde douleur de vous annoncer les décès de leur petite fille, fille, mère, sœur et tante, en la personne de Nadine Mayombo. Elle est décédée le 26 mai 2023 à 6h à la clinique hospitalière Initiative Plus après une courte maladie. En attendant le programme des obsèques qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil a lieu sur l'avenue Mobilis 4 à Binza Delvo, Ngaliema, référence Arrêt Lalou, et ses communiqués tient lieu de faire part. Yeah.